Bonjour à tous. Alors, je vous fais une vidéo assez courte pour vous remercier d'avoir fait des calendriers de l'Avent pour moi et les filles par le biais de la chaîne de Ange Coco. Donc, j'ai mis les 9 premiers ici parce que j'aurai pas les filles avant le mercredi 9, mardi 8, mercredi 9. Donc, je leur ai mis les 9 premiers cadeaux au pied du sapin, du coup, de notre petit sapin. Et j'ai mis tout le reste dans un grand carton comme ça. J'ai séparé pour chaque enfant, on va dire. Et puis je leur donnerai au fur et à mesure quand elles viendront. Voilà. Et voilà, bah, je voulais vous remercier. Je ne sais pas trop quoi dire. Franchement, je suis abasourdie de l'ampleur des choses. J'en ai pris 2 que je vais ouvrir aujourd'hui quand je serai chez mon ami, vous savez, où je garde le chat. Parce que vu que c'est à côté, je remonte de temps en temps au camping. Il y avait aussi, ben, je vous présente tout de suite, les sucettes en chocolat. Et puis, on a des petites cochonneries comme ça, voilà, de chocolat. Ici, on a encore des chocolats. Tout plein de chocolat, un peu de la part de tout le monde, c'est marqué. Et puis, maman qui nous a fait une belle surprise. Alors, je pense que les filles vont être super contentes, je vous la montre. Mais il y a des chances qu'on la réouvre quand il y aura les filles. Elle nous a mis plein de cochonneries. Alors, du thé marmotte, les filles vont être super heureuses parce qu'elles adorent ça. Et voilà, on a du thé, des petits gâteaux, ça c'est des croquants au chocolat. Lilou va adorer la pâte à tartiner Milka, évidemment, puisque c'est l'un de ses trucs préférés. J'ai vu qu'il y avait aussi des petites confitures, on a des confiseries, des papillotes, des petits goûters pour les filles. Ah ouais, les confitures, elles sont là. Donc on a orange de Corse et clémentine, celle-ci elle a l'air trop bonne. Et l'autre c'est abricot de pays. Donc voilà. Et puis un gâteau de Noël. Alors, enfin, je vous dis, le carton, il est plein de petites cochonneries. Voilà, il y a un gâteau de Noël comme ça aussi, qui fera un goûter pareil avec les filles. On a des petits gâteaux comme ceci. Et on a tout un tas de thés différents, agrumes, fruits rouges, menthe. Enfin, on a tous les goûts qu'on a envie. Alors, les thés marmottes, Yodis. Oli les marmottes. Donc voilà. Et puis plein de petites cochonneries comme ça, des rochers, des choses comme ça, voilà. Donc ben, merci beaucoup à vous tous et toutes, et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo, parce que du coup j'ouvrirai mes 2 petits, enfin j'ai pris 2 cadeaux parce que moi j'ai pas de numéro sur mon, ah oui, sur ma table, vous allez voir toutes mes photos que j'ai mis, bon tant pis, j'ai pas de numéro, mais du coup j'en ai pris 2 pour emmener et pour ouvrir aujourd'hui parce qu'on est 4, donc voilà. Et ben je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo, au revoir. Coucou à tous, je vous reprends pour la suite de la vidéo pour l'ouverture des cadeaux. Alors je vous montre, j'ai Ogja qui est avec moi. C'est le chat que je suis venue garder, donc voilà. Donc alors j'en avais pris 2, donc participation de Véronique Bonnet. Donc ben, merci beaucoup Véronique, et je vais découvrir avec vous. Alors je me suis mis ici, j'ai un, enfin, ouais, j'ai un bureau dans la chambre où je suis, du coup je me suis installée sur mon bureau. Oui, voilà. Alors, les papiers cadeaux, je vais essayer de pas trop les abîmer. Peut-être que je ferai ma page du 4 décembre avec une vide. Donc, voilà. Ah, ah. Alors. Alors, vous verrez pas trop ma tête, hein, puisque ces 2 derniers jours, j'ai une tête qui fait peur. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si c'est parce que l'hiver s'installe. Je vais vous mettre une photo. Vous verrez, on a la neige qui est juste à côté. Enfin, bref. Peut-être que c'est le froid et l'hiver qui me... Voilà. On ne va pas dire que je déprime. C'est pas une grosse déprime. Mais bon, c'est un... Voilà. Il y a quand même quelque chose. Oh, des rubans. Alors ça, c'est génial. Et en plus, c'est tout dans les tons roses. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on a un avec des chevrons, un ligné, mais plus clair. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. En plus, j'ai pas beaucoup de lumière ici. Comme ça, peut-être que ce sera mieux. Donc voilà, c'est tout dans les tons rose et blanc. C'est magnifique. Rose très foncé, rose clair, rose pâle, en organza, en satin. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup, Véronique. Donc, et le deuxième, c'est marqué Pam Maman. Donc, je vais ouvrir celui-là aussi. Alors, vous savez, on est le 4. Moi, j'en ouvrirai... Bah, en fait, on ouvre... Pardon, je ne vous ferai pas de vidéo tous les jours. On ouvrira de temps en temps, voilà, avec les filles. Là, aujourd'hui, j'ai reçu le colis. Du coup, bon, bah, j'étais tentée d'en ouvrir 2. Et puis après, bah, je pense que je n'ouvrirai pas avant mercredi avec les filles. Enfin, que les filles soient avec moi au chalet. Et voilà. Donc, voilà, voilà. Oh, des dives. Alors, je ne les ai pas seules en plus. C'est très bien. Donc, elle m'a mis des dies, beaucoup. Ah oui, c'est pour faire les pots de confiture. Alors ça, pour faire mes étiquettes sur les confitures maison, ça va être trop chouette, regardez.
Et donc, ils sont comme ceci. C'est génial. Avec la petite collerette des bocaux de confiture et tout, ils sont super chouettes. Merci beaucoup. Et ensuite, elle m'a fait un album. C'est marqué « Les joies de l'automne ». Donc, c'est un petit album photo. Cueillette des champignons. Ouais, ben, cet automne, hein, on aura été punis, quoi. Enfin, bref, je vous le dis comme je pense. Hein. C'est... Quand je vous dis, je suis un peu déprimée par moments, voilà. Ah, il y a des petits cadeaux. Alors, attendez, je vais vous montrer en même temps. Ah, ça, c'est super chouette. Avec un papier calque de couleur, comme ça. Bon. Alors, j'essaie de vous le présenter quand même correctement. Donc, c'est les joies de l'automne. Donc, on a le petit hérisson avec le petit écureuil. Ici, en cadeau, j'ai... Alors, attendez, je vais le sortir de là. Dans une pochette, des roses et des cœurs dans les tons rouges, comme ça, que j'aime beaucoup. Ça, vous savez, je les utilise beaucoup. Ici, on a un hibou, voilà. Il est très chouette, cet album, j'aime beaucoup. Ici, c'est marqué nature, et donc, ça s'ouvre comme ceci. Non, hop, avec un aimant. Ici, on a une petite carte. Il est super beau, le papier. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais franchement, il est chouette. Donc, on a une petite carte pour y insérer une photo de nos cueillettes de champignons de l'année prochaine, en espérant qu'on ne soit pas toujours confinés. On va dire ça, parce que là, ça m'a déprimée hein, d'un peu de ne pas ramasser les champignons. Je rigole parce que c'est nerveux, je suis désolée. Donc là, c'est marqué « Douceur d'automne ». Donc sur un papier calque, mais assez foncé. Et donc à l'intérieur, j'ai des petits tampons comme ça, bah, des animaux d'automne, quoi. Voilà, donc merci beaucoup, maman. Ici, profitez de... d'une belle journée. Voilà, hop. Donc ça s'ouvre à nouveau comme ça, et ça s'ouvre comme ceci. Ça fait un mini-album dans l'album. Et toujours, ça tient avec un aimant. Ici, à nouveau, on a une petite carte comme ceci. Donc qu'elle a maté les bords avec de l'encre, et c'est marqué « Profitez d'une belle journée ». Ici, on a à nouveau un petit cadeau, c'est des strass, mais cette fois carré, hop, avec un petit aimant. Oui, Ougja, ça t'intéresse? Alors, ce chat, il est trop fort. Quand je scrape, il vient tout le temps avec moi. Il me fait trop rire. Donc ici, on a à nouveau une page avec des papiers, des enamel dots brillants orange, mais pailletés. Je ne sais pas si vous allez voir. Et voilà, pour la dernière page, avec le petit oiseau et tout sur le tronc, c'est trop mignon. Donc, ben, merci beaucoup pour cette ouverture de calendrier de l'Avent à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que voilà... Cette année, je n'étais pas partie du tout pour faire des calendriers de l'Avent. C'est vrai que c'est une année particulière, que ce soit pour cause du Covid ou de tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, on va dire, voilà. Enfin, depuis quelques mois, mais bon, enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.